Madame, bonjour, Pierre Le Prof, ma 162e, et aujourd'hui, je saisis la balle au bon et je peux bien aller me faire foutre si je ne le fais pas pour revenir sur ces incidents disgracieux qui se produisent dans les écoles, à savoir euh, les enseignantes qui tiennent un langage et ont un comportement tout à fait inacceptable envers leurs élèves. On va essayer de faire euh, une rétrospective un petit peu de, du mal qui atteint présentement les écoles publiques et euh, essayer de faire. Euh, un constat euh, réaliste euh, et objectif de la situation. Regardons le clip euh, tout d'abord pour euh, se mettre dans le bain. en voyant la Va chance. Pas chez les chiens. ça de même? Reste là! M'en reste là! Là, par les gens, comme les As tu vas parler comme des humains. As-tu compris ça, sti? As Tu As-tu compris? de France à Je l'ai dit en début d'année. On laisse de, de comme ça pour toi. Ça fait dur, ça fait chier. Oui, ben, de mon travail est pour toi dans ta vie, Calice. Pour ceux qui sont sur le PS plus tard, c'est évident. Il y a 58 ans, de doigt la face en il ne s'agit pas d'une séance d'exorcisme. Il n'y a personne de possédé du démon ici. Euh, on a affaire à des enseignantes qui euh, pètent, le, pètent leur coche, sautent leur coche, comme on dit, euh, ce qui n'est pas euh, inhabituel dans les écoles publiques. Évidemment, on fait exception des écoles privées qui ont un code de conduite et puis un encadrement euh, bien supérieur à ce qu'il y a dans les écoles euh, publiques. Là. Je ne veux pas faire l'apologie des écoles privées. On leur défauts, eux autres aussi, mais Côté euh, comportement normal dans une classe, euh, on va voir ces choses-là à l'école publique. Puis moi, je ne me gêne pas de le dire, puis je profite de l'occasion et j'en suis fort aise d'ailleurs pour euh, jeter une lumière là-dessus parce que je veux dire, on n'en parle pas assez souvent. C'est un sujet tabou, ça, comme il y a tellement d'autres sujets tabous cette année-là. Et il y a un omerta euh, dans les écoles qu'il faut briser et moi, ça me fait plaisir de donner ma petite contribution comme d'habitude. Alors, de prime abord, rappelons à tout le monde euh, le phénomène de la disparition des hommes des écoles du Québec, qui aurait dû nous servir de baromètre, de signal d'alarme et auquel on n'a pas porté assez d'attention. Les hommes ont disparu de la profession parce que ils se sentaient intimidés dans certains cas. On alléguait des choses contre eux, euh, à caractère sexuel. Ça, ça jouait une grosse partie dans l'impopularité le, le, euh, de la profession pour les hommes. Ça, c'est sûr. C est, c est... Ça a été démontré ça déjà là par le passé. Euh, les hommes euh, n'y trouvent pas leur compte. C'est un métier à risque là, enseigner. Il faut être bien audacieux, bien ben, ben, euh, brave pour être prof aujourd'hui. Il faut savoir ce qu'on fait. Il hein. faut toujours être prudent, il faut être sur ses gardes. Euh, et puis euh, c'est comme euh, métier à risque là, pêcheur de crabes en Alaska, le détroit de Bering ou bien euh, contrôleur aérien. Des niveaux de stress élevés parfois. T'sais pour euh, la paix qu'il y a en retour, là, euh, les hommes ont disparu. Alors là, les femmes qui prennent leur place, euh, c'est elles qui écopent, là. Et les immigrants aussi qui nous remplacent progressivement, là, ils n'ont pas facile non plus. Alors c'est ça la réalité des écoles. C'est euh, que on, on est pris pour euh, engager du personnel non qualifié parce que les directions sont en pénurie de personnel. Alors euh, du personnel non qualifié, ça se comporte un peu comme les enseignants dans le clip qu'on a vu tout à l'heure. Euh, et puis, euh, ce n'est pas vraiment formé, c'est pas des gens qui ont vraiment la, la vocation, euh, l'amour du métier sont là plus pour, euh, parce qu'ils ont besoin d'un gang-pain. Puis là, l'offre et la demande euh, leur ouvrent la porte, là, le, y a beaucoup d'offres, euh, euh, pas beaucoup d'offres, mais beaucoup de demandes, c'est-à-dire, là de, de, on, les directions d'école sont... Sont pris avec ça, ils ont de la misère, même les écoles ont de la misère à se trouver des, des, des gens pour appliquer sur les postes de direction d'école. Imaginez, les, les profs aussi, euh, je veux dire, fait qu'on prend n'importe qui maintenant. Et puis qu'ils ne savent pas toujours se conformer puis se comporter euh, professionnellement comme les enseignants euh, le devraient. Alors, il y a toute une systémique comme ça qui est en place. Euh, évidemment, il manque de ressources. Euh, vous savez comme moi que. Euh, les, euh, les orthopédagogues euh, ne sont pas toujours disponibles, les éducateurs ne sont pas donnés à tout le monde, les petits nouveaux qui arrivent dans les écoles, on leur donne les pires tâches. Euh, écoutez, quand j'ai commencé, bon, on m'a donné une classe de... Le plus que j'ai eu dans une classe, c'est 47 élèves, OK? Il euh, y avait tellement d'élèves que j'étais obligé d'en s'asseoir assais... sa six autour de mon bureau. Deux là, deux là, puis deux là. <laughs> Et puis, il y en avait euh, tout le long euh, des côtés de la classe. Dire, mais ça a été ma meilleure année parce que euh, le groupe se gérait bien. Tu sais, j'ai été chanceux. Par contre, j'ai été dans des groupes euh, de 10, 12 élèves, mais avec trois euh, élèves codés euh, TDAH hyperactifs. Là. Je veux dire, quand on a juste un élève codé comme ça, c'est difficile. Okay? Ça alourdit euh, le poids réel de ta classe. Ça. Euh, et puis, euh, d'ailleurs, les rémunérations euh, sont augmentées en fonction de ça. Mais quand on a deux ou trois là, élèves hyperactifs, là, oublie ça. Je veux dire, euh, c'est euh, tes à un burn-out. Alors, tu sais, les nouveaux euh, rentrent, et puis probablement c'est à eux qu'on refile euh, la mauvaise camelote, là, si je peux prendre l'expression. Euh, alors, c'est pas surprenant que, sans vouloir me faire l'avocat du diable, là, que les gens tombent en maladie, en burn-out, euh, finissent par quitter la profession. Tu sais, alors il, il faut se mettre à leur place, mais par contre, par contre, ça, tout ça n'empêche pas que c'est toi, ta tâche à toi, l'enseignant, l'enseignante, d'être préparé, d'arriver en classe, de savoir gérer des situations difficiles. Euh, c'est sur toi, sur tes épaules que ça repose, tout ça, veux, veux pas, là. Même si on, on, on demandait des, des primes puis de l'argent supplémentaire, tout ça. C'est ta capacité à prendre le plancher. Euh, qui va faire la différence euh, dans ton niveau de survie dans une école. Okay? Et tout le monde ne l'a pas, euh, cette capacité-là de prendre le plancher. Vous savez, quand vous êtes devant un groupe de personnes ou un groupe d'élèves, euh, ce que j'entends par prendre le plancher, c'est votre façon d'entrer euh, en, en, en œuvre, d'accueillir de, 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 les gens, de, les, de leur montrer le plan euh, de la leçon, euh, de remplir les temps morts, d'être capable d'improviser quand il vous manque un peu de préparation, euh, d'avoir confiance en vous. Euh, toutes ces, toutes ces capacités-là, vous devez les avoir. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui les a. Il y a des... Euh, jeunes femmes, malheureusement, qui ont été poussées par des programmes d'accès à l'égalité. Elles ont été favorisées puis avantagées beaucoup euh, sur l'embauche. Euh, moi, ça m'a pris neuf ans à voir ma permanence, mais je peux vous dire, j'ai vu un paquet de filles passer avant moi qui n'étaient pas capables d'enseigner. Alors, allez savoir. Alors, tu sais, c'est beau, ils ont passé euh, le, le cours, ils ont fait leur bac en enseignement, ils ont passé, euh, ils ont gradué, ils ont eu des bonnes notes dans le premier percentile, tout ça. Mais la réalité brutale, c'est quand tu rentres en classe la première fois, là, sans ton superviseur de stage, sans la direction qui t'appuie, quand tu es tout seul, tu dois voler de tes propres ailes. Alors, c'est là qu'on trie euh, l'ivraie et le bon grain, comme on dit. Il euh, euh, y en a qui durent pas trois mois, il y en a qui durent pas six mois. Il y en a qui ne durent pas un an. Tout le monde a sa période, là. Mais, parce que les élèves, quand vous n'êtes pas euh, solide, ils le sentent. Et ils vont vous tester jusqu'à la mort. OK? Les, et c'est normal. C'est normal. Ils, ils vous observent. Ils voient que vos points vulnérables. Et puis, ils ne vous laisseront pas de chance. Alors, euh, il y a des gens comme ça qui n'ont pas vraiment euh, d'affaires dans les écoles. Moi, j'ai eu un paquet de concerts, franchement, là, qui avaient pas d'affaires pantoute dans une école, okay? Parce qu'ils avaient, premièrement, de graves problèmes émotifs, okay? des problèmes psychologiques importants. Là, je vous parle là, angoisses de panique, agoraphobie, boulimie, euh, panique, hystérie. Euh, oui, oui, on voit ça, là. C Puis, je veux dire, on ne peut pas euh, persécuter ces gens-là parce qu'ils ont des difficultés personnelles. Euh, mais tu sais c'est bien plate à dire mais ces gens-là ne seront pas capables de gérer leur classe parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions en premier lieu et ça ben euh, une fois qu'ils sont syndiqués ces personnes-là sont protégées mur à mur il faut leur monter des dossiers disciplinaires et puis il faut euh, quasiment euh, les traiter euh, de façon inhumaine parce que tu sais je veux dire c'est parce qu'ils n'ont pas les capacités euh, émotive, on va dire là, ils n'ont pas les compétences non plus des fois. Ils les ont eues pour se rendre jusque-là, mais après ça, quand le métier euh, te te demande, t'impose ses exigences, ben il y en a qui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur, qu'ils sont pas euh, à l'endroit où ils devraient être. Je veux dire, euh, la vie est cruelle comme ça. Euh, c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est parce qu'elles sont dépassées par les événements et puis il y en a, comme ça, des fois, qui pètent leur coche. Évidemment, il faut mentionner aussi les personnalités narcissiques, contrôlantes, dominantes, les personnalités, les égaux faibles, là, que j'appelle souvent, les mois diffus, il y a toutes sortes de façons de les appeler ces gens-là. Ça, c'est des gens qui sont habitués parce qu'ils sont insécures ou parce qu'ils sont euh, manipulateurs de contrôler les gens par l'autorité ce sont des disciplinariens euh, ces gens là sont bien de juste se camper en avant puis jouer des euh, jouer des mécaniques là puis euh, être autoritaire avec une classe puis imposer des ultimatums tout ça parce qu'ils n'ont pas appris qu'une classe ça doit être interactif un, un enseignant qui est respecté de ses élèves va pouvoir tout leur demander. Alors ces personnalités-là euh, font pas non-feu des fois là, ou pire encore, ils, ils survivent malgré tout avec ces tares là ces carences-là, mais finissent par l'imposer à tout le monde, à leur entourage, à leurs élèves, à leurs collègues de travail. Travailler avec des personnalités narcissiques dans des écoles là, mon dieu que c'est pénible. Et que je souhaite pas ça à personne. J'aurais du matériel, moi, pour faire 100 euh, capsules juste sur ce sujet-là. -là, D'ailleurs, j'y pense. Ça pourrait peut-être être une bonne idée si je sens qu'il y a une demande de ce côté-là. Pierre Le Prof, je m'en vais vous, euh, vous enlever les coquilles des yeux, comme on dit, puis vous faire voir la réalité de ce que c'est quoi vraiment une école publique. OK? Euh. Alors, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas mentionner le cas des fameux enfants rois? Quand on parle des enfants rois, tout le monde se comprend. Euh, ce sont des enfants, ça, qui euh, auxquels les parents ont donné une carte blanche, euh, ont confié à l'école la mission des de éduquer, des de instruire, des de élever quasiment d'attacher leur mitaine puis de tout faire. Et eux euh, ne s'accordent aucun temps de qualité avec leurs enfants. Cependant, quand l'enfant va à la maison et rapporte euh, des plaintes contre son enseignant, ces parents-là sont les premiers à arriver à l'école et euh, euh, ne sont même pas intéressés à entendre l'autre version, hein, leur idée déjà faite. « Monsieur le directeur, mon enfant ne ment pas. »« Madame la directrice, ma fille ne peut pas mentir. Elle ne ment pas. » C'est à ça qu'on a en affaire. C'est là, là qu'on commence avec les parents, bien souvent. Là. Alors, des parents abusifs, il y en a. Des parents narcissiques aussi, il y en a. Des parents euh, centrés sur eux-mêmes et puis, euh, comment dire, euh, malheureusement, trop irresponsables pour regarder euh, qu'est-ce qu'eux-mêmes ont réussi à créer chez leurs enfants, euh, vont essayer de vous blâmer. On va chercher des coupables. Là. Et puis, euh, une bonne direction d'école, évidemment, va être capable de calmer le jeu, surtout quand l'enseignant donne des justifications à son patron, dire « Écoute, mon enseignante n'a jamais agi comme ça avant, il faudrait peut-être enquêter un petit peu avant de l'accuser, puis tout ça. » Alors, tu sais, une bonne direction d'école va faire ça, mais vous seriez surpris encore une fois de voir que les directions d'école dans les écoles publiques sont molles, sont euh, euh, incompétentes, incapables de, de gérer des problèmes humains. Euh, c'est une loterie. Euh, et c'est ça qui va faire la différence d'une bonne école et d'une mauvaise école. C'est sûr et certain. Euh, J'en ai eu des bonnes écoles, moi j'ai eu des, des écoles où j'ai souffert. <laughs> Et Puis, tout le monde souffrait, là. Alors, c'est ça, là. Euh, Stephen King aurait de quoi écrire euh, des romans, là, des, des, des drames d'horreur, là, tu sais, euh, les écoles, là, quand ça va pas bien. C'est comme une grosse famille dysfonctionnelle. Alors, euh, ouais les enfants rois, ben on sait, ils sont là, oui. Et puis, il euh, faut composer avec, faut composer avec leurs parents. Et puis, euh, ça, c'est des choses qui aident pas les enseignants. Les enseignantes, présentement, qui n'ont pas de sécurité d'emploi non plus parce que les commissions scolaires sont dans, prises dans ce cercle vicieux où, euh, comme ils ne peuvent plus compter vraiment sur des enseignants compétents, ils tardent à leur donner une permanence parce que c'est la permanence qui les protège mur à mur après, là sont difficiles à déloger ces profs-là après, quand ils se montrent totalement incompétents, puis on leur a déjà donné leur permanence. Ça, ça a été vu des centaines de milliers de fois au Québec, là. Alors, tu sais, maintenant, on tarde à donner cette sécurité d'emploi-là. Alors, là, euh, le prof, c'est de valeur, mais ils doivent avoir une sécu sécurité d'emploi. Justement, euh, tu sais, qu'ils soient bon, qu'ils soit moyen, ils méritent d'être protégés parce qu'il y a trop d'aléas, il y a trop de, 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 de choses qui les menacent. Euh, par les temps qui courent. Et puis, euh, la situation euh, psychosociale, les individus, les enfants qui n'ont pas de père à la maison, tout ça, des choses qu'on parlait déjà dans d'autres capsules, euh, tout ça, ça ne va pas dans la bonne direction. Et puis, euh, euh, c'est ça la réalité des écoles. Maintenant, je, je suis conscient d'avoir juste effleuré euh, le, la problématique aujourd'hui, mais je tenais à le faire. Euh, je vais euh, échanger, euh, avoir des échanges intéressants avec euh, mon compatriote Dominique Jasmin, d'actualité politique du Québec, euh, qui m'a invité à parler de ce sujet-là avec lui. Alors, euh, on devrait être capable de poursuivre avec toutes sortes d'autres bonnes observations. Alors, restez avec nous. Ce serait aussi une grave injustice de ne pas mentionner que le, les incidents violents dans les écoles ont augmenté de 140 je crois, l'année dernière à Montréal. Euh, C'est du jamais vu, on bat des records alors les enseignants se font violenter là, euh, par les élèves. Euh, et puis les élèves entre eux, mais aussi euh, contre les enseignants. J'ai vu des cas, moi, des, des, des voix de fait sur des enseignants. Là. Cet enseignant qui a été poignardé dans le quartier Saint-Michel en décembre 2021, il y en a euh, une panoplie là, de ces, ces incidents-là. Alors, euh, les jeunes euh, ont perdu leur direction. Là. Ils ont plus de modèles, ils ont plus de bonnes influences. Euh, les garçons deviennent de plus en plus violents. Les filles aussi ne laissent pas leur place. Moi, qui ai géré des cours d'école toute ma vie, je peux vous dire que la violence n'a pas de sexe. Quand c'est le temps de, de harceler un, un petit copain, une petite copine, euh, les filles donnent pas leur place. Là, ça dépend. Ça dépend du contexte. Il ne faut pas être trop vite pour juger. Là. Alors, euh, la violence dans l'école qui euh, ajoute au stress de l'enseignant et euh, ne doit pas être facile à, à gérer, facile à vivre, ça. Il faut garder ça à l'esprit aussi. Alors, je termine la capsule en disant que l'école publique est un milieu... Euh, qui a encouragé euh, le développement euh, d'un personnel qui est devenu euh, abusif envers les autres, euh, personnel enseignant, partie du personnel enseignant qui est abusif euh, envers les collègues, envers les élèves. Euh, évidemment, euh, euh, je m'en voudrais de ne pas mentionner euh, qu'une forme d'abus qu'on voit dans les écoles, c'est euh, comment dire, euh, comment les appeler, les abuseurs idéologiques. Okay, euh, qui euh, fait son lot de victimes aussi. Un abuseur idéologique, c'est quelqu'un qui pousse un agenda ou euh, une, euh, un narratif euh, qui euh, ne fait pas l'affaire nécessairement de tout le monde et qui va dans le sens de ce qu'on sait, là, les, euh, les, les, les vers, là, les échos anxieux et puis euh, les disciples de Greta Thunberg. Je veux dire, c'est... Tellement désolant, les. Euh, voyons, ceux qui incitent euh, nos jeunes euh, à haïr les Russes et puis à plaindre les pauvres Ukrainiens, par exemple. Je veux dire, les méchants hommes, le patriarcat, tout ça. Ça, 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 ça a son lot de conséquences. Et puis, euh, pensez-y deux minutes à ce que j'ai dit aujourd'hui. Puis, euh, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs euh, d'un passé pas très lointain, là. voyez voyelle 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 voyelle